Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play Animal Crossing New Leaf. Et ben ça va me détendre de vous tourner un petit épisode. Pour une fois je suis rentrée du boulot pas trop tard. Donc voilà. J'ai le temps de tourner un petit Let's Play. Il est 17h33. Oui. Alors, il y a Céleste Gaucha qui m'avait demandé une vidéo sur l'île. Donc, on va peut-être aller faire un petit tour sur l'île. Je ne sais pas si vous avez vu mon petit look sympa. Moi, j'aime bien. Hop, on peut pas... Voilà. Alors, vous allez être content parce que depuis le temps que vous me le dites, j'ai enfin mis mes trucs dans le... J'ai enfin compris qu'on pouvait mettre... voilà, tout ça dans le... Hop! Dans les lettres, donc je suis moins chargée que d'habitude. On va aller sur l'île. Allez. C'est la maison qui c'est Motard. Tiens, on va aller voir si Motard va mieux quand même avant. Ah, il est pas là. S'il va faire des dédicaces, c'est qu'il va mieux. Comment va Tonton? Non, c'est pas Tonton, c'est Clarabelle. Clarabelle, elle veut des meubles. On va aller lui chercher un truc. Allez, un petit meuble pour Clarabelle. Ça devrait se trouver. Qu'est-ce qu'on va lui trouver? Qu'est-ce qu'on va prendre pour Clarabelle? Qu'est-ce qu'on va lui prendre? C'est pas évident. Ah, une armoire à poids rouge. Ouais, du coup, attendez. Je vais pouvoir ranger. J'ai mis ça, voilà, le lit champi, je vais pouvoir le ranger dans l'armoire du coup. Voilà, donc là je vais me retrouver avec la collection champi et la collection dindon. Bon, on va retrouver Clarabelle. Alors je vous rappelle que donc samedi soir on se fait du Mario Kart 7 sur ma communauté Sunnybaum pour ceux qui veulent. Et puis dimanche soir je ferai à 18h la Semaine Geek en direct sur YouTube probablement. Un cône bicolore, d'accord. Alors vous pourrez aller voir sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook, j'ai mis des photos de des moments que vous n'avez pas vu parce que je ne filmais pas. Ah, il y a une puce lui. Ah, bah, vas-y, j'en viens. Ah bon?
Ok, Dan, je vais aller lui porter. Allez. Elle est juste là, Caramel. Alors, qu'est-ce que tu me donnes? Des bananes? Des bananes? D'accord. Bon, en fait, il faut enlever sa puce. Où est-ce qu'il est? C'est qu'il y a une puce. C'est Clarabelle, non? Je sais pas où elle est. Allez, nous on a dit qu'on allait sur l'île. Donc, on va sur l'île. On y va. Bon, alors il n'est pas 18h, il me semble que c'est à partir de 18h qu'il y a beaucoup d'insectes et de... Bon là, si vous voulez zapper les chansons, vous appuyez sur A plusieurs fois. Voilà. Allez, on va s'équiper. Allez. Allez, on y va. Non, bah, je me mets un peu sur la tête. Je sais pas si j'ai déjà eu ça. Eh hey, bien. Je suis contente. Mais c'est quoi le petit ticket là, non? J'arrive pas à me mettre bien. Ah merde, j'ai un peu de moustique là. Oh,
Voilà. J'ai eu un celui-là. J'ai déjà eu. Bon, alors en général, voilà, je fais le tour plusieurs fois comme ça. On va le faire, voilà, je le fais partir pour essayer d'en avoir des plus gros. Hop, ça va être ça. Une raie. Une limande. Non, un quart d'eau. Ce que je trouve sympa dans le jeu, vraiment, c'est que voilà, on apprend vraiment des trucs sur les insectes, les poissons. Enfin, ah, il y en a un gros là. Cela, il va le chier. Concentration maximale. Ah, j'aurais que dalle. Ah merde! Mais j'ai pas de chance ce soir, qu'est-ce qui se passe là? Ouh, ça va m'énerver là. Allez, attends, je veux un gros moi. Le suspense est à son comble. Bon, ça c'est pas très intéressant, hein. J'aimerais bien revoir le requin de tout à l'heure. Ah, il est là. Ah, cool, il est là. Non, pas avec une pelle, hein, ça ne passera pas avec une pelle, le requin. Voilà, attention. Yes. Ouais. Oh, cool, ça c'est bien.
Bon, alors maintenant quelques gros moustiques, ce sera génial. Éventuellement un deuxième requin. Alors, ça, vous regardez mon petit let's play avec une bonne tisane. Vous trempez une petite madeleine dans la tisane, sous votre couette. Et là, vous êtes bien. Attention. Alors, ce soir, à 20h35, peut-être que ma vidéo sera déjà postée. Il y a Stephen King en direct sur France 5. Moi, j'attends ça vraiment avec impatience parce que j'adore ces romans. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment vraiment parler littérature. En général, quand je vous mets des petits posts sur Facebook, vous aimez bien, vous réagissez. Donc voilà, bah, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si vous aimez Stephen King, si vous avez lu des romans de lui, lesquels, etc. Moi j'aime aussi beaucoup les films qui sont adaptés de ces romans, notamment un que j'adore qui s'appelle Christine, c'est l'histoire de la voiture qui réagit toute seule. Bon, après on va aller faire un petit jeu sur l'île. Vous avez vu sur mon île, j'ai enlevé tous les rochers, toutes les fleurs, plutôt tous les trucs. Hein. Parce qu'on m'a expliqué que donc comme ça les moustiques se poseraient plus facilement. Ah, il y en a un gros là-bas. Se poseraient plus facilement sur les arbres là. Voilà. Qui serait plus facile à attraper. Yes. Ah, un gros. Donc ouais. Alors, pas mis comme il fallait. Allez, viens là. Oh, 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 viens là. La 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 la. La 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 la. Ah, je sais pas si la fille qui a gagné l'écharpe lors de mon concours All Nose regardera cette vidéo, mais... Petit message, ton écharpe est bien partie par la poste. Alors, on va aller ranger tout ça dans le panier. Un petit jeu, qu'est-ce qu'il y a ce soir?
truc. Plongée de luxe. Plongée de luxe. Bon, allez, on va essayer, hein. Qu'est-ce qu'on a à faire? Allez, oui. Alors, écoutons. D'accord. Ok. C'est parti. Alors, où est la mer? Ah mais ils sont tous au bord là, qu'est-ce qu'ils me font là? Allez. Vas-y. Oh cool. Mais je coupe pas, je peux pas couper là. 4000 pas mal. D'accord. On va un petit peu à 4000, c'est pas cool. Voilà, par exemple. Allez, on y va. On y croit. Allez. Il revient. Oh, mais... Comme tu me... Je peux pas y aller, merde. Ah, il me reste 2 minutes, allez, 2 minutes 30. Ça va pas du tout, ça! C'est stressant parce que là, il me reste quoi? Il me reste 1 minute 30, ça passe super vite. Enfin, ça dépend, hein. 1 minute 30 chez le dentiste, ça passe pas vite. Allez, on perd pas de temps là, allez, allô! Commence à m'énerver là. Allez.
Voilà, on y croit. Allez. Allez, 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 allez. Yes. Je sais pas combien ça va valoir. Yes, cool. Tiens, voilà Léa. Ça va Léa. Je fais un jeu sur l'île Pêche de Luxe. Je devais trouver des petits marins pour 8000 clochettes. Là c'est bon, j'ai 1300. Si tu gagnes de l'argent. Des médailles. Tu vas me gagner beaucoup d'argent. Je sais pas. Ouais, j'ai pas trop dépassé le truc. Hein. Il me reste 9 secondes. Ouais, c'est terminé là. Terminé. Ouais, ben voilà, je vous en parle. Ouais, c'est sympa. Je sais même pas où j'ai une médaille en fait. Je sais pas où j'ai une médaille. Quoi, j'ai une médaille 31. Écoutez, on va rentrer. Voilà, bah écoute, Céleste, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à me demander hein, si vous voulez des vidéos spécifiques. Ah oui, il faut que je vous parle d'un truc. Je vais faire une vidéo spéciale tag de l'automne. Donc sur ma page Facebook, vous pouvez me poser les questions que vous voulez me poser en rapport avec l'automne. Et je prendrai toutes vos questions et j'y répondrai dans une vidéo. Voilà. Si vous n'avez pas Facebook, et ben vous posez vos questions sous cette vidéo-là. Voilà. J'ai toujours mes bananes. Et voilà, tout rentre. Ah non, il y en a encore. Attendez, je vais manger la banane. Eh oui, il y en a encore. Ça, c'est quoi ça? Je vais mettre hop. Et maintenant j'ai compris hein, qu'on pouvait mettre des choses dans les lettres. Voilà. Et ben on va aller voir combien ça va nous faire tout ça. Bon les gars, si vous avez un projet de travaux publics, hein. Et ben on va mettre glop glop. Voilà. Travaux publics. Ah ben j'ai plus de place donc on verra après. Là c'est Sunnybop TV. Alors voyons combien Risette nous donne de tout ça. Thank you.
Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Alors. Pas mal, hein. Pas mal. Ça vaut les 1000. Ça vaut les 1000 de déplacement, enfin de voyage. Tu m'achètes quelque chose, tu vois? Ben moi, je fais 4 fois le prix, hein. Un peu moins de 4 fois le prix. Allez, raboule le fric. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai mis dans mes cadeaux là? Ah mais tiens, on va voir ce que c'est. Je sais pas ce qu'on en fait des cônes bicolores. Ah oui, c'est ça. Donc, on pourrait faire un parcours roller avec ça. Hein. On pourrait faire un parcours roller dans ma petite salle de sport, mais bon. Bon, je vais aller rembourser un peu ma dette. Pour pouvoir encore agrandir ma maison. Ah, et à partir de 18h, tout était à 50%, je crois, chez dans les galeries. Où je vais, moi. N'importe quoi. Bon. C'était pas ce que je voulais faire. Donc, comme on est là, on va regarder. Rembourser le prêt. Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Ah, ça commence à baisser, ça va. Loin, si loin de toi et le monde. N'existe pas, tu es loin de moi, loin de moi. Cette chanson-là, d'ailleurs, c'est Rupert, en leur temps, qui l'avait chantée en anglais. Enfin, c'est la version originale, d'ailleurs, que Dave avait reprise, mais. Voilà. Qu'est-ce que je vais acheter mon téva? Parapapam papam. Parapapam papam. Parapapam papam papam. Oh, je vais les découvrir. Alors. Non, j'aime pas trop. Non! Mais non, je voulais pas l'acheter! Merde alors. Non. J'ai déjà. Je sais plus ce que c'est ça. Ah oui, c'est beau.
Enfin, c'est pas beau. Ah non. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Ouais, voilà, il y a un truc là. Ah, quoique... Non, c'est cher, là. Je vais monter voir, mais... Ça a combien de ventes, hein? Allez, au revoir. Bon. Ok, alors qu'est-ce que j'ai là? Je vais aller refiler les trucs que je n'avais pas acheté, que j'ai acheté. Aïe, 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 j'ai été mal installé. Bon, allez, arrête. Achète-moi ça, s'il te plaît. Tu me rachètes le moitié prix que... Ok, bon, bah écoutez... Alors j'ai toujours pas vu le centre Rizzetti ouvert. Hein. J'ai profité de la fin de la vidéo pour vous montrer petit truc. Dont je vous reparlerai sûrement dans la semaine geek, puisqu'il reste, il reste 4 minutes. Donc ceux qui ne veulent que Animal Crossing, ben, je vous fais de gros bisous. Vous pouvez vous arrêter là. Les autres, ben, restez un peu avec moi. Hop. Ouais, j'ai regardé du coup ce que j'avais comme, comme bouquin de King à la maison. Et dans ma pile, à lire, j'ai celui-là, Salem. Et le gars qui fait l'émission ce soir-là, Bunel, qui va interviewer Stephen King, disait, je l'entendais sur à la radio aujourd'hui. Il disait que voilà, ça c'était un livre qui était vraiment excellent parce qu'il revisitait le mythe de Dracula. Voilà, donc bon, c'est quand même pour un public averti, hein, c'est classé dans la catégorie terreur, mais en fait il en conseillait deux. Il parlait de celui-là et de Misery aussi. Alors celui-là, vous voyez, la paisible petite bourgade était devenue une ville fantôme et personne n'osait parler de ce rire aigu, maléfique, enfantin. Toc, 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 toc. Donc, voilà, voilà, voilà. Après, j'ai trouvé... Ah oui, j'ai trouvé... Il y a un nouveau magazine, un nouveau magazine de jeux vidéo qui est sorti. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça s'appelle JV. Sortons le grand jeu. On est en 2013 et ceci est bien un nouveau magazine sur les jeux vidéo. Il coûte 3,95€. Je trouve que la couverture est assez classe. Je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez. Franchement, je trouve que c'est classe. Donc il montre évidemment la Xbox One et la PS4.
Bon voilà, je ne l'ai pas lu encore, mais bon, je sais pas si c'est quoi ça, le thème. Comment Xbox One, PS4, comment elles vont changer le jeu vidéo. Donc voilà, article de fond. Ensuite j'ai pris le canard PC. C'est les 10 ans de Steam. Donc voilà, et dedans il y a une critique de Pokémon X et Y, et je crois qu'il a eu 8 sur 10. J'espère que ça va pas couper. Hop, 8. Voilà. Donc une très bonne note. Et enfin, j'ai pris un magazine de cinéma qui s'appelle Popcorn, que je connais pas, avec plein de super-héros à l'intérieur, et de zombies, et de musclés. Voilà. Donc ça c'est le numéro de d'octobre-novembre 2013. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Donc ce week-end, je vous rappelle, à 20h samedi Mario Kart 7 et à 18h Ma Semaine Geek en direct dimanche. En attendant, bon courage pour demain pour ceux qui bossent. Et gros bisous à tous. Ciao ciao.